Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis particulièrement contente de vous retrouver pour les guidances de la semaine. Alors, semaine un petit peu particulière pour juillet et août, je m'explique. Compte tenu de ces forts mois chargés, vacances ou autres, je vous avoue que pour moi, ils vont être très chargés aussi vu de grands changements et chamboulements qui vont demander beaucoup d'organisation. Et vous savez, mes abonnés, que je souhaite la qualité et non pas la quantité. Donc, je vous propose pour le mois de juillet, le mois d'août, de faire par quinzaine. On reprendra nos habitudes à la rentrée septembre. Donc là, on se retrouve toujours par signe, bien entendu. Là, nous retrouvons nos signes d'eau. Cancer, poisson, cancer, poisson, scorpion, on va y arriver. Mais semaine du 3 au 14. 3 au 14 juillet. Voilà. Alors, du coup, eh bien, nous allons prendre deux cartes avec le téléma, le augure blanc. Une pour la première semaine, une pour la deuxième semaine. On va agrémenter avec l'oracle du muséum. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui préparent les vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et surtout soyez prudents sur les routes. Attention aussi aux autres. Pour ceux qui travaillent encore, je vous souhaite bon courage. Votre tour viendra. Et pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas bouger du tout, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On va passer des petits moments ensemble. Je vous invite à regarder les playlists également qui vous permettraient de mieux me découvrir. Allez, semaine du 3 au 14 juillet, on va regarder avec la première semaine et la deuxième semaine. Monsieur l'oracle du muséum, magnifique oracle. Allez, quel conseil également, ou état d'esprit pour cette première semaine et cette deuxième semaine. Ensuite, bien entendu, nous allons prendre un tirage avec un Lenormand, l'effet Lenormand, de professionnel, de sentimental, de imprévu et de financière. Et par signe, on regardera avec le téléma l'énergie principale et on fera un tirage avec l'oracle, carte oracle 17, l'oracle d'Aïe. Allez, tout de suite, c'est parti pour notre première semaine. Nous avons Patafleuri. Peut-être que pour cette première semaine avec Patafleuri, on va faire preuve un petit peu d'insouciance sur pas mal de domaines. Et pourquoi pas, hein, enfin, j'ai envie de dire, on va peut-être se lâcher. Le sérieux, la raison vont être un tout petit peu chahutés. C'est au niveau du mental, hein, et psychologique en fait, que vous risquez d'être étonné, c'est-à-dire que peut-être une réaction différente, un état d'esprit différent, c'est tout à fait bien. On peut être déraisonnable, hein, ça fait du bien de temps en temps, hein. C'est tellement plaisant. Bien entendu, si c'est dans les finances, on tâche de rester raisonnable, sinon le banquier ne va pas être content. En tout cas, cette semaine, vous allez vivre des situations, somme toute, qui sont complètement illogiques, qui vont dépasser en tout cas toute logique. Vous allez vous apercevoir que c'est pas logique, mais c'est tellement agréable, c'est tellement bien, c'est tellement, tellement chouette, quoi. Et avec l'oracle du muséum, dont je n'ai pas sorti, hop, le petit bouquin, le couple. Ah, bah alors peut-être qu'on va traverser des choses à deux complètement folles pour cette première quinzaine de juillet. Pour nos signes d'eau, et pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, ça peut être complètement sympathique. Hein. Effectivement, vous allez aussi vous rendre compte que vous allez avoir besoin d'un coup de main ou un coup de pouce de quelqu'un. Peut-être par rapport à un projet qu'on est en train de mettre en place. En tout cas, c'est un bon présage. Pour les célibataires, ça peut être dire qu'on va sortir de sa zone de confort pour faire peut-être une rencontre. Mais également pour tout le monde, on voit qu'il est question de réaliser des actions avec quelqu'un ou en l'aide avec quelqu'un ou à deux, hein, forcément. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Il y a une belle évolution pour cette première semaine, les amis. Une belle évolution dans les projets ou dans les relations. C'est plutôt sympathique. Hein. Alors, notre deuxième semaine, qu'est-ce qu'elle nous amène, cette deuxième semaine?
Elle nous amène Tabarin. Une continuité, j'ai envie de dire, de la première semaine, puisque avec Tabarin, on est avec le bouffon, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est les détentes, c'est les choses complètement folles, c'est le plaisir, c'est. Oui, c'est ça, c'est l'humour, c'est les pas légers, c'est les choses qui vont être complètement. Comment je peux dire? Des événements heureux. Alors, organisés ou pas d'ailleurs, hein, mais rien ne vous empêche d'ailleurs d'en organiser un à l'imprévu comme ça. Hein. On est dans la semaine de la blague, dans la semaine vraiment du lâcher-prise. Et nous avons, avec les fauves, ben avec les fauves, je pense qu'on va avoir une belle force intérieure là. On va se sentir bien. Vous allez être dans une situation tout à fait bien, dans votre situation. Vous allez montrer que vous dominez complètement, que vous êtes bien, votre mental, vous le dominez aussi. Vous allez ressentir, je pense, une belle énergie. Vous allez parvenir également à un objectif que vous vous étiez fixé, que ce soit une rencontre, une sortie, une fête, un projet, des vacances, pourquoi pas. Voilà. On sent tout à fait, première et deuxième semaine, un état d'esprit, un mental, un psychologique, tout à fait cool pour vous, les amis. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Allez, on va regarder tout de suite avec nos thèmes pour nos signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Allez, cancer, poisson, scorpion. Tabarin et patafleurie, ce sont vraiment des énergies, on va dire, de jeu, de légèreté, de... Voilà, pouf, voilà. Il y a eu beaucoup de, je pense, de fatigue. On arrive au bout, là. On arrive au bout et on se laisse aller. Et c'est tellement agréable, j'ai envie de dire en plus. Allez, à la coupe, nous avons des nouvelles. Des nouvelles qui sont attendues pour vous, ma consultante. Des nouvelles que l'on attend, des nouvelles de son amoureux. Ah, alors, on est un petit peu triste, hein, on est en attente de ces nouvelles. On est en attente de nouvelles également qui pourraient émotionnellement beaucoup vous toucher. En tout cas, il va y avoir une prise de décision assez directe. Franche concernant les finances. Allez, deux professionnels, activités. Deux financières. Deux sentimentales et deux imprévus, inattendus. Les amoureux. Duo également, on l'avait vu avec le couple, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé par rapport à des finances. Et en tout cas, la solution, elle est là. Des informations vont vous arriver, vont vous permettre d'avancer. On va pouvoir mettre quelque chose en place pour ce mois de juillet. Et c'est tant mieux. Alors, professionnellement, la fidélité. Les mouvements qui sont là, un beau soutien sur du mouvement en tout cas. Hein. Il y a quelque chose là qui me fait dire que vous allez bouger. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, l'activité de tous les jours également, on voit qu'il est question peut-être de partager un voyage avec quelqu'un ou bien tout simplement de bouger dans le cadre de son travail pour ceux qui ne sont pas en vacances, bien entendu. Professionnellement, peut-être on va faire un déplacement avec quelqu'un en tout cas qui est tout à fait un collègue. Un ami, quelqu'un sur qui vraiment on peut compter. Hein. Il y a un bon, comment on appelle ça, une bonne collaboration tout à fait amicale par rapport à ce déplacement. Dans la vie de tous les jours, on voit très bien que vous allez effectivement vous déplacer. On n'apprend rien, puisqu'évidemment, c'est les voyages, ça va être le moment des vacances, bien que tout le monde ne prend pas de vacances. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que dans votre activité de tous les jours, il est peut-être temps de penser à prendre un peu de temps pour vous, à partir justement un petit week-end en vacances, en voyage, un petit déplacement avec quelqu'un en toute sincérité, avec quelqu'un avec qui vous tenez, pour lequel quelqu'un partage quelque chose de beau avec vous. Il y a en tout cas un déplacement qui va se faire, les amis, et totalement agréable, totalement serein, sans... Vraiment un très bon déplacement, quelque chose de tout à fait fiable. On voit également que pour certains, si vous êtes en train d'évoluer pour un changement, qu'il soit professionnel ou dans la vie de tous les jours, c'est un changement qui est tout à fait fiable, hein. Il y a une bonne résolution là. Alors, financièrement,
Le jardin, les connaissances, les amis, de l'argent qui peut arriver de partenariats également, de l'argent qui peut arriver d'une entreprise, d'une réussite, de quelque chose que vous avez mis en place, un aboutissement en tout cas, j'ai envie de dire. Et on voit très bien que ça va occasionner beaucoup d'émotions d'ailleurs, hein, cette lune. La lune, c'est également la réflexion. La sagesse, on va gérer sagement son budget. Si rentrée d'argent il y a, ou en tout cas, on va de toute façon sagement gérer son argent. C'est ce qui est question là pour ce mois, pour cette quinzaine. Il va y avoir quelque chose de. Si rentrée d'argent il y a d'un organisme, d'un projet, d'une réussite de ce que vous avez mis en place. Projet, mais ça peut être aussi des demandes hein, à d'allocations, chèques vacances. Bon, je pense aux chèques vacances parce que on est dans cette période. Hein, on voit que ça va être géré sagement. C'est voilà, on va faire très attention à ces dépenses d'argent là pour ce mois de juillet. Beaucoup d'émotions. Hein. Sentimentalement, on peut avoir un enfant qui se sent un tout petit peu bloqué. Qui sent avoir un petit souci, alors ça, c'est peut-être le côté émotionnel. Il y a un petit défi à relever, ou avec un enfant, ou pour quelque chose de nouveau. Si c'est une nouvelle relation, sans doute qu'il faut apprendre à se connaître un peu plus, hein. Sinon, effectivement, j'ai l'impression que là, on est au pied du mur sur une situation, on se pose des questions, on se sent dans une impasse. Pour moi, rien de bien méchant, peut-être beaucoup d'évolution autour de vous, beaucoup de changements qui fait que ben voilà, on se pose des questions et c'est tout à fait, on va dire, légitime, parce qu'il y a une relation qui est vraiment basée sur la confiance, il y a quelque chose de très beau, mais on voit très bien que de toute façon, vous allez relever l'obstacle, vous allez relever ce défi. Hein. Pour moi, il n'est pas négatif. On se sent un tout petit peu coincé financièrement. Après, si vous venez de rencontrer quelqu'un qui tient la route, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais voilà, vous savez qu'il n'a pas de soucis financiers, vous pouvez avoir un petit coup de frein et ça peut vous gêner, vous bloquer. Sachez que c'est une relation de toute façon. L'argent n'entre pas en jeu, hein, quand il y a des sentiments, ça n'a absolument rien à voir. On peut voir aussi qu'au niveau connexion, pour certaines personnes, vous vous sentez bloqué parce qu'il y a peut-être un souci de connexion. Et il me semble, lors de tirage précédent, j'en avais parlé. Un problème de connexion pour certaines personnes. Les câbles ont peut-être trop chaud. Sinon, on voit très bien qu'il peut y avoir pour d'autres, hein, comme un schéma répétitif, quelque chose qui va vous arrêter, qui va vous bloquer parce que vous avez l'impression, style, on me l'a déjà dit, on me l'a déjà fait. Vous voyez ce que je veux. Ça peut être du côté relationnel, tout simplement, hein, pas forcément que sentimental. Hein. Il peut y avoir pour certains une nouvelle relation, mais qui coince un tout petit peu. Ou alors la personne de l'autre côté n'est pas encore dégagée d'une autre situation. Pour les couples, petit obstacle qui va être surmonté, qui peut être en lien d'ailleurs avec le financier. Hein. L'inattendu. Ah, l'inattendu pour ces 15 premiers jours, peut-être un léger conflit que vous allez régler, que vous allez générer d'ailleurs. Ce conflit peut être en lien avec une situation d'une visite que vous avez reçue, que vous allez recevoir, qui vous déplaît tout simplement. On vient vous annoncer des choses qui ne sont pas vraiment sympathiques. Ou c'est une visite que vous allez devoir rendre et alors vous n'en avez pas envie, tout simplement. Ou vous pouvez apprendre à voir vent de nouvelles également, d'une dispute qui a lieu autour de vous. Auquel cas, j'ai envie de dire, on ne s'en mêle pas. Si c'est dans le côté inattendu, forcément, c'est que c'est une surprise pour nos amis d'eau. Hop, alors. Il peut y avoir quelque chose d'assez lourd. Ça peut être aussi quelque chose qui vous lie ou quelqu'un qui vous lie. Hein. Là, on sent la dispute, elle peut être pour vous aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, comment je peux dire? C'est une perte de temps d'essayer de discuter par rapport à un conflit qui vraiment vous dit là, c'est une perte de temps. Il vaut mieux éviter. On n'entre pas dans ce conflit qui ne sert à rien, qui va ne faire qu'enfoncer la chose. On se détache de ce conflit. Par rapport à votre équilibre aussi, parce qu'à un moment donné, je pense que ça peut jouer sur votre équilibre. Hein. On voit que vous avez d'autres, de nouveaux objectifs, donc de toute façon, on avance. Et certainement également que vous êtes en train de lâcher
certains conflits qu'il y a autour de vous, l'opportunité va vous en être donnée. Et vous avancez et vous avez absolument raison. Bon, c'est pas vilain, les amis. En tout cas, il y a de belles énergies. Allez, on va regarder maintenant pour nos scorpions. Pour notre du 3 au 14 juillet. Amis scorpions, allez. Du 3 au 14 juillet. Du 3 au 14. Nous retrouvons cette montagne. C'est pour vous, amis scorpions, qu'il y a un petit blocage. Il peut y avoir un petit blocage concernant un contrat. Quelque chose qui vous fait un tout petit peu peur pour vous engager. Ou bien tout simplement, vous ne pouvez pas vous engager tout de suite maintenant. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas comme vous le voulez. Il peut y avoir un partenariat un petit peu difficile, un problème avec un contrat. Maintenant, il peut être dans le couple, question également de se sentir un tout petit peu bloqué. Alors, ça va pas durer puisque nous avons derrière l'argent, donc je pense que c'est effectivement bien en rapport avec le financier. Vous avez certainement eu l'impression qu'à un moment donné, c'est pas qu'on n'a plus de chance, mais comment on dit on se dit on a de la malchance, oh là là, bon, c'est pas, faut pas dire ça, bien entendu. On va avoir l'impression d'avoir ce côté malchance. On voit le financier qui est derrière. Regardez, les choses vont prendre fin. Vous avez une énorme transformation qui arrive à vous, les amis. Alors, certains, je vois le renard, ça peut être en rapport avec un contrat de travail ou peut-être qu'on vous avait annoncé que vous alliez gagner tant et vous en rendez compte que c'est pas le cas. Ça peut être tout simplement dans un contrat, un accord qu'on a signé et vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce qu'on vous avait dit. Bon, on voit très bien que les choses s'arrangent, hein. Alors, il est question de prendre beaucoup de hauteur, les amis. On sort de sa tour d'ivoire. Il va être question peut-être d'officialisation avec justement un bâtiment public. Alors, pour certains, vous pouvez vous retrouver aussi avec, j'ai envie de dire, ça peut être le côté hôpital, hein. Moi, je vous dirai toujours la vérité. On voit qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver bloqué parce que peut-être qu'autour de vous ou pour vous, vous allez apprendre qu'il y a une hospitalisation, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'hôpital. Ça peut être un contrat de travail pour certains dans le milieu médical également, hein. Quoi qu'il en soit, on prend de la hauteur, les amis, pour mieux réfléchir, réagir et surtout agir. Bon, en tout cas, peut-être des démarches très, très officielles qui vont vous perturber pour cette quinzaine. Allez, on va regarder avec l'oracle d'ail, amis scorpions. Après, il y avait ce renard aussi qui peut nous montrer que vous allez faire preuve d'une grande prudence concernant une signature, un contrat. La lumière va être là. Vous allez faire jouer votre petite intuition d'où ce renard qui est extrêmement méfiant. Nous avons un petit peu de soucis, de complications concernant un nouveau départ. Peut-être pour certains une fatigue, une grande fatigue. Un souci avec un enfant également. Pour d'autres, il peut être question de grossesse qui occasionne le besoin de se reposer. Absolument, je l'ai vu tout à l'heure. Parce qu'il faut peut-être faire preuve de patience. Et oui, on n'aime pas le mot patience. Mais regardez, ça vaut le coup derrière. Hein, parce que vous avez quand même le bonheur. Vous avez ce muguet. Hein. Alors, pour du 3 au 14, nos amis scorpions. Nous avons la maison, la famille, le foyer, son cocooning. Il est question de récolter son travail. Il est question peut-être d'avoir enfin le fruit de son travail qui arrive, d'où cette impression qu'on avait d'être bloqué parce qu'il a peut-être fallu attendre. Quoi qu'il en soit, on voit très bien que le changement arrive. Le changement est là, mais il met un certain temps. On a vu à la coupe que vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, que c'était long, qu'il y avait des... Voilà, on a bien vu la montagne également, hein. Tout simplement, on est en attente de tout ça. Ça va arriver. On voit très bien que ça arrive, les amis. C'est avec un homme ou pour un homme.
Tout simplement un délai. Regardez, vous allez avoir un coup de main, le soutien. Simplement le délai, ça ne va peut-être pas arriver tout de suite maintenant pour cette première période de juillet, mais on voit que c'est en chemin. En tout cas, vous allez récolter le fruit de votre travail et ce changement va arriver. Même si certes, il a demandé un peu de patience, on voit très bien que vous allez avoir un coup de main de toute façon. Ça a été compliqué, fatigué, vous avez l'impression d'avoir été coincé, bloqué à un moment donné. Regardez, le bonheur arrive, beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Vous allez pouvoir vous séparer de toute cette méchanceté, de tout ce conflit. Vous voyez, il est là. On s'en sépare. On va récolter. On va récolter. Bon, bien entendu, ça peut occasionner des commérages, des jalousies. Mais regardez ça, les amis. Vous avez la tranquillité qui arrive derrière. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Mais il peut y avoir des jugements, des verdicts, enfin, j'ai envie de dire, ce que vous avez mis en place, des projets qui arrive pour cette quinzaine. Voilà pour nos amis scorpions. Allez, nous passons à nos amis poissons. Alors, pour nos poissons, semaine du 3 au 14 juillet. Semaine du 3 au 14 juillet. Semaine du 3 au 14 juillet. Le lys, des nouvelles d'une personne âgée, une visite. Vous allez rendre visite à une personne âgée. Il se peut aussi que par rapport à des nouvelles, ce soit très officiel qui vous arrive et vous allez prendre aussi des décisions mûrement réfléchies. Attention, autour d'une personne âgée ou de votre officialisation de choses, il y a quelqu'un qui cherche à vous noircir la situation, à ne pas être très sympathique. On voit que vous allez avoir un coup de main, vous, votre compagnon, votre compagne, la personne qui vous accompagne, ou en tout cas, un coup de pouce, une fidélité à toute épreuve. Le renouveau va arriver, la santé, elle intervient, en tout cas pour une personne, pour un homme ou avec un homme. Je vous dirais d'être vigilant pour certaines personnes. Une personne âgée va peut-être se retrouver avec un souci de santé pour ce mois de juillet. Allez, on en prend une, la faux. Alors, la personne qui peut se retrouver avec un souci de santé peut être amenée aussi à une intervention chirurgicale. Hein, voilà. Pour certains, pour tout le monde, pour nos poissons, il est question de couper, de trancher ou bien de prendre une décision rapide en lien avec, alors en lien quelque chose d'émotionnel, bien entendu, de fortement émotionnel, ou tout simplement en lien aussi avec les sentiments. Je pense que certains poissons vont prendre une grosse décision. C'est pour certains également. Ça peut être la fin d'une relation. Alors, pas que sentimentale. Il peut y avoir la fin d'une relation amicale. Il y a la fin de quelque chose, en tout cas, qui va quand même vous blesser. Il y a quelque chose là qui prend fin, mais non sans nostalgie. En tout cas, on est préparé. Moi, je vous dirais qu'il y a également une prise de décision assez rapide concernant le domaine sentimental ou émotionnel. Allez, amis poissons. Allez, semaine du 3 au 14. Semaine du 3 au 14. Semaine du 3 au 14. Il y a de la signature de l'officialisation, nous l'avons vu tout à l'heure à la coupe, et regardez ça. Oh, une belle ouverture. Nouvelle porte qui s'ouvre, les amis, nouveau chemin emprunté. Grâce à une superbe officialisation pour ce mois de juillet, pour cette quinzaine en tout cas. Allez, du 3 au 14, nos amis poissons. Petite mise en lumière de quelque chose, ou bien là on a une idée que l'on garde peut-être sous le coude, une mise en lumière où on joue sa petite intuition. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça va arranger les choses et vous allez pouvoir acter quelque chose. On a de la négociation, il y a une prise de décision qui va être faite. Regardez ça. Hey. Oh, tranquillité retrouvée. Vous avez un tirage magnifique, hein, ami poisson. Hein. Vraiment magnifique. On voit cette signature qui est là. On sort des difficultés. On prend un nouveau chemin. C'est en lien avec la famille ou bien un achat-vente.
Famille, foyer, bien entendu. Hein. Le départ est là, le déménagement, les amis, la signature est actée. C'est magnifique. Avec une femme ou pour une femme. Et c'est la victoire. On sort de cet enfermement. Et vous avez un tirage superbe, les amis poissons. Nous sommes sur un grand renouvellement, une grande transformation pour vous, amis poissons. Ce qui explique cette prise de décision très rapide. On va trancher et on emmène son cœur. Superbe. Allez, on passe à nos amis cancer. Pour nos amis cancer, semaine du 3 au 14, quinzaine de juillet, 3 au 14. Oups là. Du 3 au 14. Du 3 au 14. Nous avons quelque chose de lourd, quelque chose de triste. Ouh, amis cancer. Nous avons une certaine lourdeur là pour cette première quinzaine. On se sent bloqué par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, triste ou net. J'ai l'impression qu'on a du mal. On a du mal à avancer par rapport à une situation qui a été douloureuse, des fardeaux, des ennuis, quelque chose de lourd. Et j'ai le sentiment qu'on se trouve bloqué au pied du mur. Ça va être un petit peu compliqué là, hein. Ça peut être bien entendu en lien avec un événement pas toujours très agréable. On a peut-être comment je peux dire, quelque chose à digérer entre guillemets. On voit que c'est quelque chose qui est assez lourd avec ce bouquet. Ça devait être une joie, c'est transformé en pas une joie. Vous avez eu la surprise d'avoir quelque chose d'énorme qui est arrivé. Pour certaines autres personnes, il y a aussi ce côté positif. Je m'explique. Je vois lors d'un rassemblement, d'une fête, quelque chose que vous allez fêter pour vous ou autour de vous, je vois un énorme cadeau. Vous me direz si ça vous parle, ami cancer. Je vois quelque chose de très gros, un énorme cadeau. On voit qu'effectivement, lors d'une festivité, lors d'une fête, lors d'une rencontre, il y a comme un quelque chose de lourd, comme un regroupement. Est-ce que certains n'iraient pas non plus en pèlerinage, vous voyez ce que je veux dire, en côté religieux? Ben, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, semaine du 3 au 14, si c'est sorti, c'est que ça devait de toute façon être dit. Regardez ça, ami cancer. En tout cas, quoi que vous fassiez pour cette première quinzaine de juillet, c'est magnifique. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la mise en lumière, c'est la chaleur. Votre chemin là que vous prenez, et ben c'est super. Tout brille, tout brille, tout vous réussit pour cette quinzaine. Allez, ami cancer, semaine du 3 au 14. Semaine du 3 au 14 pour nos cancers. Semaine du 3 au 14 pour nos cancers. Semaine du 3 au 14. Ah, nous avons quelque chose qui va demander des efforts, qui a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'efforts. Sans doute un gros changement. Alors, ça peut être évidemment professionnel, mais pas que, hein, dans la vie de tous les jours aussi. Ce qui expliquait tout à l'heure qu'on a vu à la coupe, ça pouvait ce gros cadeau lors d'un départ à la retraite, par exemple, pour certains, ça me parle comme ça. Donc, nous sommes sur le renouveau là. Quelqu'un est question peut-être de gros changements. Pour vous, ma consultante, ou même pour le couple, d'abord, on voit très bien, voilà. Ami cancer, pour certains, vous êtes sur le départ, vous avez envie de partir, vous allez y aller, mais il y a quelque chose quand même qui fait qu'on est résigné. Hein. Ça, on a fait preuve de patience pour y arriver, parce qu'il y a eu certainement beaucoup de retard. Mais regardez, vous avez le coup de main qui va vous permettre de le faire et de mettre en place ou votre déménagement, ou en tout cas, ça peut être vos vacances aussi, hein, qui étaient compromises et qui vont se faire au final. Hein. Allez, une, deux.
Nous avons affaire à des ennemis, à de la ruse, à de la jalousie, à des gens en tout cas qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Ça peut être familial, bien entendu, peut-être des soucis ou des soucis concernant un acte avec une propriété, une maison, un achat, vente, un souci de voisinage ou tout simplement un problème avec la famille également. Il va y avoir des échanges, hein, de la communication et du dialogue. Il faut avoir du dialogue, les amis. Hein. Il va y avoir du dialogue et regardez, le dialogue va vous permettre de réussir quelque chose, d'où ce soleil, déjà. Si on est en conflit de voisinage, si on est en conflit avec la famille, on va pouvoir communiquer. Il va y avoir du dialogue. On va réussir à communiquer. En tout cas, ça va permettre un apaisement, une réussite. Et ça brille. C'est chaud. Cette quinzaine va vous amener, si on souhaite partir, si on souhaite déménager, si on souhaite une transformation, quelque chose d'énorme avec mon consultant, ma consultante, bien entendu. Vous allez avoir un coup de main, vous allez avoir une aide qui va vous permettre, ça va être peut-être surprenant cette aide, hein, cette main tendue va vous permettre d'acter quelque chose. Et regardez ça, on va vers les jours heureux, l'amusement, la joie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare à vous, amis cancer, hein. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait sorti le soleil. Hein. Visiblement, votre semaine du 3 au 14, le 15e, se passe superbement bien. Voilà, les amis. Et bien, écoutez, j'ai été ravie de vous faire sous cette forme, voilà, avec des énergies qui, ma foi, sont vraiment pas vilaines pour cette quinzaine. Ça fait du bien. C'est agréable. En tout cas, je vous dis un grand merci d'être toujours présent. Merci pour vos commentaires qui sont bienfaisants. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite pour ma part, donc, une merveilleuse quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous pour la suite, tout simplement. Merveilleuses vacances pour ceux qui le sont. Bon travail, bon courage pour ceux qui ne sont pas encore en repos. Et je vous dis à bientôt.